Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre Let's Play sur Assassin's Creed Unity. Alors, qu'est-ce qu'on va faire donc pour cet épisode? Ah, on a deux énigmes de Nostradamus à faire, là on peut regarder Sagittarius. Alors... De grands esprits visent le ciel, des hommes du sud regardent du haut nord, des quatre nations cherchent la vérité. Peut-être des statues. Saint-Germain-des-Prés, ouais. Je pense que ça va être par là. Là, il n'y a rien dans le croisement là. Non. Peut-être donc ici, par là. J'ai le doute, mais... Non. Non plus. Oh, bon, écoutez, je vais aller voir la soliste parce que ça me saoule. Ok, donc c'est pas ça du tout, hein. Ce serait donc le collège des quatre nations. Je sais pas où il est ça le problème, là. Un bâtiment avec un dôme. Ici. Enfin, je pense. Mais pas si simple que ça, celle-là. Faut connaître un peu les coins de la ville. Je connais pas bien là. Donc, Ne bouge plus. Tu essaies de faire le fier à bras sur mon territoire, c'est ça? Ce serait sur le dôme. Ouais. Ah. Où le soleil se lève, le visage de l'école de Robert, les yeux se lèvent vers le ciel depuis un sommet rond. Apparemment c'est... J'avais été voir un peu la Solus, hein. Je sais pas exactement où, mais je sais que c'est près de la Sorbonne. Mais où est la Sorbonne?
porte là. Ah oui, faut elle se déplacer finalement. 500 mètres, dis donc. En fait, c'était pas... C'est grand, hein. Elle est vraiment grande, cette ville-là. C'est une immense map. Enfin, je trouve la trouve même assez grande. Et elle est surtout extrêmement dense, en fait. Il y a plein de choses. Elle est assez diversifiée, donc... Il y a vraiment de quoi faire. Hein. Et certains bâtiments assez génériques, par exemple les maisons blanches, là, ou un peu jaunes, là, avec des toits noirs. On trouve pas mal du même genre. Aussi pas mal de maisons en bois, enfin à Colombage ou des choses comme ça. Mais il y a quand même beaucoup de diversité, hein, un mélange agréable de maisons, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression à chaque fois que elles sont différentes. Pas mal de particularités. Et il y a des maisons qui se démarquent aussi du lot, enfin il va y avoir des maisons en briques par exemple. Il y a les maisons de campagne, hein, plus au sud. Et puis bien sûr tous les bâtiments célèbres, il y en a vraiment un paquet. Les églises, les machins, les palais, les châteaux, vraiment. Il y a vraiment vraiment plein de choses quoi. Attendez. Un coffre. Aïe. C'est bon. Viens ici que je t'étripe comme tous les autres. Arrêtez-le. Merde. Oh là là. Oh là là. Fallait savoir là que le prochain truc était à la Sorbonne, hein, parce que c'est loin d'ici. Hein. Reviens, j'ai 10 pouces d'acier qui aimeraient faire connaissance avec ton crâne. J'en profite en même temps pour récupérer les items qui traînent. Ah. Il y a aussi beaucoup de diversité dans les appartements, ça c'est clair. Oh, c'est marrant les poutres en bois là, c'est original. Ouais, il y a plein d'originalités un peu partout. On a vraiment pas la sensation de se balader à chaque fois dans les mêmes décors. On trouve des similitudes, hein, bien sûr, mais on a l'impression que tous les coins sont différents quand même. Il y a beaucoup de gens différents aussi dans les rues. Il faut vraiment bien travailler sur la diversité. Donc, voilà, une map très grande, très dense. On peut entrer dans les bâtiments, il y a beaucoup de missions. Donc ça fait vraiment, vraiment un côté assez vaste quoi. Merde. J'ai... Des quartiers plus populaires là déjà, on voit pas mal le bois, les maisons en bois, ça fait déjà plus pauvre.
ça crée aussi pas mal de diversité. Alors... Non, du monde hein, dans la rue là. Que ce soit dans le sous-sol, je vois pas l'entrée au sous-sol ici. Ok, non, c'est là-haut. Ah. Oh. On peut pas dire qu'on la visite pas la ville, hein, parce qu'en général les bâtiments on y va, on y retourne pour des missions, pour des enquêtes, etc. C'est là-haut. On a vu, il y aura pas beaucoup de bâtiments qui nous ont vraiment échappé hein, depuis le début. Hein. Ce serait marrant de voir dans quels appartements est-ce que je ne suis jamais rentré, parce qu'il y en a tellement. Ah merde. Loin du fleuve, les hommes qui observent regardent les étoiles. Donc, loin du fleuve, c'est ici en fait. Je le dis parce que j'ai quand même vu les Solis, il me semble que c'est par là. Oh ouais, voilà, c'est trop difficile hein. Faire tout seul, j'y serais jamais arrivé. Un petit contrat là, on va le faire tout de suite. C'est tellement facile ça. Maître d'école, assassinez votre cible. Oh, puis il est sur notre chemin en plus. Presque. Une belle remontante. Ça contribue aussi pas mal à la diversité, c'est joli ça. Je trouve que ça manque un peu des jeux qui nous font nous balader dans des paysages de relief. En général, dans la plupart des jeux que j'ai fait, ils évitent souvent de faire des montagnes, des trucs comme ça. Ça va être assez compliqué, je pense, à mettre en place des maps avec beaucoup de relief. Je pense que ça doit pas être très, très simple. Ça doit impliquer vraiment voilà, des grands espaces graphiques ou quelque chose comme ça, mais bon. Un coffre ici. Ah,
Allez, j'en profite hein, en même temps. Hein, pour aller un peu ouvrir tout ce que je peux. Tout ce qui traîne dans les environs. C'est des trucs, il faudra qu'on y revienne de toute façon. Donc autant le faire là. Hein. Où tu vas? Tu as changé? Oh là là. Attrapez-le. Là dans cette petite cave. T'as vraiment de la diversité là, je remarque encore des petites remontantes et tout. On était peut-être déjà passé par là, mais je me souviens plus déjà plus. Enfin c'est tellement grand. Ouais, il y avait un coffre en jaune là. Madame, allez-vous. Si je le fonde, c'est qu'il vous le fonde. Oh, je vais être obligé d'entrer par là. Approche et je t'envoie. Oh, mais là, ça me tirait dessus. Aïe. Foiré, va. Observatoire de Paris, on va faire une petite pause. L'observatoire fut institué par Louis XIV, qui aimait autant les poètes que les érudits. Claude Perrault dessina les plans du bâtiment dont la construction ne devait pas employer de fer pour éviter d'influencer les boussoles, ni de bois source d'incendie. La première pierre fut symboliquement posée le jour du solstice d'été, 1667. 5 ans plus tard, Jean-Dominique Cassini gravit les 145 marches de la tour octogonale sud-ouest, dont nombre dont tout le monde se moque. Les caves de l'observatoire se trouvent à 27 mètres sous la surface, où règne une température inconstante, constante indispensable au bon fonctionnement des instruments optiques et de mesure. Ceux qui travaillaient là devaient descendre 330 marches pour se rendre à leur poste de travail. Ce n'est pas par hasard que les premiers ascenseurs motorisés entrèrent en service au début du 19e siècle. Tout le monde avait des crampes aux mollets.
Alors, sous les caves se trouvent les catacombes. Le poste de directeur de l'observatoire fut longtemps transmis de père en fils et demeura au sein de la famille Cassini jusqu'en 1791. Lui succédèrent Lalande, Le Verrier et Arago, entre autres. Cassini, je sais pas si c'est le même qui a fait les cartes, mais il existe les cartes Cassini qui sont des très très vieilles cartes de France, en fait, qui sont très jolies, qui ressentent déjà énormément de choses. C'est un peu les ancêtres des cartes IGN, si vous voulez. Ah, saloperie. À toi. Aïe. Terrible combat. Je me suis explosé le pouce là, comme d'hab. Sous terre, ça, à mon avis. Ah bah oui, j'en profite aussi pour explorer un petit peu la zone. Ah, vous entendez, c'est là-haut. On est au bon endroit. Mais avant, j'aimerais aller chercher le coffre. Oh, encore l'endroit bien glauque. Alors on va aller en pleine rue. Bon, bah on va faire le tour parce qu'en fait je vais quand même aller finir la mission. Je voulais juste voir où ça menait. M'énerve lui. Oh là, ils sont vraiment agaçants ceux-là. Vite, on va me tirer dessus. Putain! La vengeance sera terrible! Et en plus il tombe, voilà. Hop, il perd sa position de sniper. Ouais, c'est encore un bâtiment qu'on n'a pas du tout exploré ici, vu qu'on avait l'icône d'information qui était apparue auparavant. Oh.
Non, c'est là. J'ai... Tu peux pas te terminer pour toi. Et hop. Ah, tu veux une pété toi aussi? Il doit rester plus que toi, je pense, dans le secteur maintenant. Et voilà, ça va être calme l'observatoire à présent. Encore un? Bah voyons. Oh, il reste plus assez de temps pour une mission comme ça. Ah, les constellations de Cassini, c'est pas intéressant ça. Enchanté de votre visite. Bienvenue dans mon échoppe, citoyen. Un beau terrain là, un magnifique jardin. Ah ouais. Ah ouais, tiens, c'est quoi ce bâtiment imposant là? Ah oui, c'est pas les jardins du Luxembourg, d'accord. Bon, on a une cocarde à récupérer ici. Et un paquet de trucs, hein. Comme d'hab. Ah, tout là-haut. Ah, ok. Je sais pas où je suis tombé. Viens ici, toi. J'ai bien l'impression que tu as envie de te faire pas passer, Lilian, visiblement. Ok, juste là. Reste où tu es. Attrapez ce chien. C'est vraiment méchant, ces ennemis, hein. Oh. Et... oh.
Ici, mon frère. Ils sont revenus, eux. Oh, c'est pas vrai. Si tu approches, je te Ah ouais, sympa. Ah ouais. Ok. Bon, bah on va s'arrêter là, hein. Ça fait un bon moment là, ça fait une bonne demi-heure. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, et je vous dis à bientôt pour le prochain. Ciao.